C'est heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le dimanche 11 octobre. Et oui, s'en passe des choses hein, dans une journée, surtout en 2020. Quelle année. Waouh. Vraiment une année euh, qu'on n'oubliera jamais. J'allais dire une année à oublier, mais on ne pourra jamais, jamais l'oublier. Celle-là, ça va rester marqué. On est marqué au fer rouge. Ça va être pendant des, pff, des siècles et des siècles et des millénaires où l'on parlera de cette fameuse année 2020. L'année du. Cette espèce de début d'année biblique, hein, de période biblique, qu'on peut même la qualifier comme ça, si vous voulez. 11 octobre 2020, 18h, 19h du Québec. Ça va pas bien en Europe non plus, vraiment pas, hein. Les Britanniques se préparent à se retourner dans un confinement presque total. On demandera à des millions de personnes de ne pas quitter les zones locales. Demain, hein, on, on, on s'attend à des annonces nouvelles de la part de Boris Johnson et son gouvernement, avec l'interdiction de mélanger les ménages et de fermer les salons dans un nouveau verrouillage. Demain, des millions de Britanniques pourraient être invités à ne pas voyager en dehors de leur zone locale et ça nous vient du son, Et à mélanger, à mélanger, à ne pas mélanger les ménages, alors que de nouveaux verrouillages. Ce profil, les annonces ou le, les plans annoncés demain pour les points chauds de coronavirus les plus hauts, hauts, hauts risques comprendraient de demander aux résidents de rester dans une certaine zone. Des restrictions plus sévères devraient euh, intervenir demain avec l'annonce du premier ministre Boris Johnson, imaginez-vous, hein, pour ceux qui pensaient qu'il oh, n'y aura pas de deuxième vague, il n'y a même pas eu de première vague, tout ça c'est fake. Et peut être... Waouh, on est rendu le 11 octobre. 2020. C'est incroyable. De nouvelles règles plus strictes devraient entrer en vigueur ordonnant aux gens de ne pas se mélanger à l'intérieur et à l'extérieur dans les régions les plus touchées du pays. Les salons de beauté et les sites sportifs pourraient également être fermés lors du sévère verrouillage régional alors que les cas de coronavirus augmentent. Dans le nord de l'Angleterre, nous les fermerons les portes sous nouvelles restrictions qui seront annoncées demain. Mais on pense que les restaurants de certaines régions pourraient être autorisés à rester ouverts, mais seulement jusqu'à 22 heures en ligne avec le reste du pays. Boris Johnson s'apprête à fermer les pubs du Nord à partir de lundi. Le PM, le premier ministre, révélera un nouveau système à trois niveaux pour les restrictions de verrouillage local. Des centaines de manifestants anti-masques ont tardé la fin dans du verrouillage. Le... Oui. Les, enfants, les enfants seront interdits de chanter Joyeux anniversaire par crainte de propager le virus et imaginez. Un top docteur a averti que les masques faciaux devraient être rendus obligatoires à l'extérieur et dans les bureaux. Le Premier ministre Boris Johnson devrait esquisser un nouveau système de restrictions à trois niveaux, avec des mesures censées forcer les lieux d'accueil à fermer. Dans le nord de l'Angleterre, le médecin chef adjoint de l'Angleterre, le professeur Jonathan euh, Van Tam, a déclaré que le pays était à un point de basculement. Similaire à la première vague de coronavirus. Il a ajouté plutôt euh, dans l'année, nous luttions contre une maladie semi-invisible dont nous n'avions que peu de connaissances et elle s'est répandue à grande vitesse dans la communauté. Maintenant, nous savons où il se trouve et comment y faire face. Saisissons cette opportunité et empêchons l'histoire de se répéter. Les rapports suggèrent que dans le cadre du niveau, supérie du niveau supérieur, aucun mélange de ménages ne sera autorisé, affectant des millions de personnes vivant dans des zones à taux élevé de COVID-19 en Angleterre. Noël pourrait être compromis. Hein, Boris Johnson nous avait euh, dit ça euh, il y a deux semaines, hein, à peu près. Je vous avais partagé tout ça. Ben, moi, je vous dis, préparez-vous. Avec l'automne, le froid, l'hiver, on sait comment le virus survit au froid encore plus facilement. On se retrouve tous à l'intérieur. Il faut être réaliste. Il faut arrêter de vivre comme des enfants euh, qui vivent dans le monde de cow-boys et euh, d'indiens, hein, dans la féerie, les contes de fées. On est dans une crise majeure. Puis il y a seulement les adultes, les grands, qui vont réussir à passer les à travers. Les gens travailler. du nord de l'Angleterre ont critiqué les plans accusant le gouvernement de traiter la région comme la seconde classe. Le chef du conseil conservateur de Bolton, David Greenhalgh, a déclaré ce matin sur Andrew Marr J'exhorte maintenant le gouvernement à écouter à nouveau, s'il vous plaît, écouter à nouveau la voix. Le Nord a l'impression d'être traité différemment. Nous savons que nos taux sont élevés. Nous ne sous-estimons pas cela, mais nous ne pouvons pas jeter notre économie locale au loup. Mais le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick a déclaré dimanche à Sophie Ridge de Sky, Sky News, Il est juste que nous poursuivions une approche localisée. Cela doit être la voie à suivre car aucun de nous ne peut ou ne veut voir un retour à des mesures nationales globales. Ce serait l'alternative. Il a confirmé que les autorités locales bénéficieraient d'une plus grande autonomie sur leur centre de test et de traçabilité, admettant les gens qui euh, connaissent les autorités locales. Euh, sont, euh, sont forcément meilleurs que les centres de contact nationaux de Whitehall. Cela, cela survient alors que le nombre de personnes hospitalisées atteintes du coronavirus a augmenté dans toutes les régions de l'Angleterre samedi, passant de 1167 dans le nord-ouest de 725 la semaine précédente à 725 la semaine précédente. Donc on voit une augmentation euh, quand même assez importante. Euh, 15 166 autres cas de coronavirus confirmés au laboratoire au Royaume-Uni ont été signalés, et 81, 81 autres décès ont été confi ont confirmés euh, aussi euh, dans les 28 jours suivant un test positif. Des gens ont été évacués dans les centres villes du Royaume-Uni, y compris Liverpool, Newcastle et Londres samedi soir, avant que les pubs ou les pubs de la région ne soient potentiellement Fermer, les taux de coronavirus dans les villes universitaires sont plus de 40 fois plus élevés que dans le reste du Royaume-Uni. Dans le cadre du système à trois niveaux proposé, différentes parties du pays seraient classées dans différentes catégories, les zones du niveau le plus élevé devant être soumises aux restrictions les plus sévères. Wow! On s'en retourne probablement vers un lockdown complet. Vraiment pas. Un cadeau, les amis. Vraiment pas un cadeau. Vraiment pas un cadeau. Waouh. Où êtes-vous? Dans quelle partie êtes-vous? Dans quel niveau êtes-vous? Le hein? niveau 1, 2 et 3. Waouh. Ici, c'est plus de 100 cas par 100 000. Ici, c'est plus de 100 cas aussi par 100 000. Ici, euh, beaucoup plus euh, élevé les cas. C'est un lockdown complet de toutes les entreprises non essentielles. Wow. ici on ne veut pas de mélanges euh, familiaux et d'amis et de différentes familles. Wow, incroyable. Euh, on en est rendu là. Le maire conservateur de la vallée de Tees, Ben Hutchen, a déclaré que les restrictions du troisième niveau devraient s'appliquer par blocs de quatre semaines. Les pubs et les bars devant fermer et chacun mélange de... Et aucun mélange de ménage ne sera autorisé pour socialiser à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on voit... Le, le plan de, du gouvernement Johnson, hein, si on a à fermer, on va fermer par bloc de quatre semaines, exactement ce que le gouvernement Legault vient d'appliquer aux Québécois hein, 28 jours, 4 semaines. Ceux qui sont dans les ondes rouges. Hier, nous avons raconté comment les dirigeants du Nord ont supplié le Premier ministre de ne pas fermer les pubs lundi, affirmant que les restrictions au coronavirus commencent à fonctionner. Les dirigeants travaillistes du conseil de Gateshead, Martin Gannon, a déclaré que la fermeture de l'hospitalité dans le Nord était, était contre-productive de la restauration et des bars. Le chancelier Rishi Sunak a annoncé vendredi que les travailleurs des entreprises qui sont forcés de fermer sous les nouvelles restrictions verront les deux tiers de leur salaire versé par le gouvernement. Wow, vraiment On n'est pas sorti de l'auberge. Le nord de l'Angleterre fait face à un verrouillage à plus grande échelle alors que le pays voit entrer un nouveau système à trois niveaux. Wow. Chers amis, soyons vraiment patients.